Sur vos prochaines factures, bah là, pour l'instant, je ne vous parle pas de factures ni de prix de l'eau, puisque ce sera... Oui, alors... Sinon, blablabla. Je savais que le prix de l'eau vous intéresserait. À la limite, j'aurais dû le dire directement au prix de l'eau. La séance aurait été finie, ça aurait été beaucoup plus vite. Voilà. Moi, de mon intérêt, c'était de vous faire déjà un petit récapitulatif parce qu'on ne se connaît pas forcément tous. Vous ne me connaissez pas forcément tous. Hein, on ne se voit pas forcément. Bon, je vois souvent les élus. Moi, je vois moins les administrés hein, puisque c'est, généralement, c'est les délégués, les élus qui vous retransmettent la chose. À part si vous avez lu à un petit moment donné la lettre Notreau où j'en ai fait deux ou trois. Il n'y en aura plus forcément, bien sûr, parce que les budgets vont être clôturés, mais il y aura un petit récapitulatif aussi que je ferai pour refaire un petit récapitulatif de la fin de mon mandat, et puis, puisque mon mandat s'arrête forcément au 1er janvier 2009, mon mandat de président 2019. J'en veux pour 2019. Ouais, c'est parce que je veux me rajeunir. Et c'est un peu ça, ouais. Pourquoi je suis jeune, quand même. Et donc, mon mandat s'arrête de surcroît aussi. Hein, et ça, j'ai eu beau dire quoi que ce soit, c'est un arrêté préfectoral. Hein, je l'ai encore relu tout à l'heure. Et voilà, le syndicat faisant partie du Transprovinois, il est remis d'office dans le Transprovinois. Il n'y a pas besoin de revoter d'avis des communes. Je n'ai même pas besoin de réunir le syndicat pour voter si on est d'accord ou pas. C'est comme ça. C'est d'office. C'est commis d'office. Voilà, c'est commis d'office, 1er janvier 2019 terminé, plus de syndicats du plateau Azimontois, plus de président terminé, tous les dossiers, tout. Et toutes les créances revont aussi au futur syndicat, je vous rassure. La part belle, c'est que le budget aussi va au nouveau syndicat, hein, le budget, votre argent, on va dire, hein, tout est transféré de droit, de plein droit au nouveau syndicat. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous rassurer, mais ça, c'est une volonté du nouveau syndicat aussi. C'est-à-dire que toutes les communes qui ont un bas de laine, parce qu'il y a des communes qui ont des bas de laine chez eux parce qu'ils n'ont pas fait de travaux d'adduction d'eau potable, remplacement de canalisation depuis des années. Donc forcément, leur budget eau, ben, il a grossi. Leur canalisation n'est pas forcément en bon état. Il y a des communes qui ont fait beaucoup de travaux qu'on fait des emprunts pour ça, aussi. Donc, tous les emprunts sont basculés aussi au nouveau syndicat. Voilà. Et il y a des communes et des syndicats. Bon, il y a pas quand même, il y a quand même 7 communautés de communes. Et puis, il y a des syndicats qui adhèrent quand même, qui sont repris par ce grand syndicat, qui ont fait des travaux. Le nôtre, en l'occurrence. On a fait des travaux, moi, depuis que je suis à la présidence, ça fait 3 à 4 ans de Suisse qu'on fait des travaux couramment. Sans recours à l'emprunt, simplement avec le budget du syndicat. Vous allez me dire, le budget, c'est votre argent. C'est là où je pense que je vais arrêter mon conciliabule. Votre argent, où depuis que je suis élu président, on a fait 2-3 augmentations du prix du mètre cube d'eau. De 10 centimes, à chaque fois. 10 centimes, une première année, 10 centimes, une deuxième année. Une troisième année, ça a été une année blanche, parce que les délégués ont décidé de refuser, hein, bien sûr, ils ont droit de parole. Donc, ça a été une, voilà. Donc cette année-là, y a eu moins d'argent qui est rentré. Et c'est du fait, cette année, on a puisé, alors pour ne pas dire qu'on laisse l'argent au futur syndicat, on a refait des travaux sur la commune de Sognolles-en-Montois et de Lizine, qui sont en cours là, de finition, pour pouvoir clôturer le budget avec l'argent du syndicat sans avoir recours à l'emprunt. Il va rester une petite enveloppe, bien entendu. On a fait comme le moulin aussi, pour cette année. Oui. Sinon, les travaux, vous avez pu le voir, hein, sur la commune de Jutigny, c'était l'année dernière. Et sur la départementale, on a refait... On a refait toute une canalisation pour la sécurisation incendie, sur toute la partie du haut. La partie du bas a été prise en charge par notre délégataire, service public, Veolia, puisque en 2017, notre délégation de service public s'arrêtait avec Veolia, c'était 15 ans. Le choix
que j'ai fait, que l'on a fait au syndicat, hein, puisque tous les délégués étaient là, moi, que le choix que j'ai proposé, c'était de savoir est-ce que l'on faisait simplement un avenant à notre concessionnaire pour les années à venir, 2 ou 3 ans, en attendant le nouveau syndicat, pour se dire on prolonge cet avenant, ou alors est-ce qu'on renégocie une DSP pour 12 ou 15 ans, en s'assurant une part fixe qui ne bougera pas par rapport au syndicat. La part variable, on n'est pas... elle dit bien ce qu'elle dit, hein, elle est variable, mais de pouvoir s'assurer une part fixe. Donc le choix était de reconduire cette DSP pour une durée de 15 ans. On n'a pas été les seuls, hein, il y en a d'autres qui en ont fait, il y en a même qui sont en pourparler en ce moment, qui font qui continuent leur DSP. Donc ils sont en train de pourparler là, donc après voilà. On a pu négocier avec notre affermeur, hein, qui est Veolia, puisqu'il est en affermage depuis le début du syndicat. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à négocier 7% sur notre contrat, ce qui était pas mal. En contrepartie, ils avaient des obligations de faire le remplacement de canalisation, de remplacement de matériel, et que nous, on fasse un effort sur le rendement. On leur a demandé. Aujourd'hui, on est à 79% de rendement sur le syndicat. Je m'en réjouis pas. J'aurais préféré qu'on ait 85, 90, 95% de satisfaction. Hein, ça veut dire qu'on a moins de fuites. Hein, parce que vous allez me dire, quand on a 79%, ça veut dire qu'il y a 21% qui fuient dans la nature. Hein. Ça, c'est les fuites que l'on voit, que l'on ne voit pas. Moi, j'ai insisté auprès de notre délégataire depuis que je suis président que... à l'aide des délégués d'ailleurs, hein, qui m'ont bien aidé de ce côté-là, parce qu'ils ont été présents et à chaque fois on a pu s'appuyer là-dessus pour être toujours derrière eux, pour que les contrôles soient poussés, parce qu'en général c'était 2 à 3 contrôles par an de recherche de fuite. L'année où on est repassé, on est arrivé à 11 contrôles par an de recherche de fuite, parce qu'on a pu, on était redescendu à 54% de rendement. Et on est remonté à 65 et 79. On était, enfin, 75%. On était remonté à 79. Il y a eu une fuite qui a été décelée. Donc forcément, quand on a un rapport qui arrive en fin d'année, ben, le fait d'une grosse fuite, ça varie un petit peu. Voilà. On est dans le Grenelle, dans le taux de rendement du Grenelle. On aurait aimé être plus. Donc c'est pour ça que nos canalisations sont très anciennes, très vieilles. Hein. Donc il faut les remplacer. Je ne dis pas qu'il faut toutes les remplacer, parce qu'il y a des fois, il y a des canalisations qui ne fuient pas, qui ne sont pas fuyardes. Donc c'est pour ça qu'on avait fait un schéma directeur en 2011-2012, on a fait notre schéma directeur, nous, sur l'eau potable, et il y a eu des hiérarchies... Oui, exactement, sur le choix des urgences à faire. Donc on a suivi le plan. On a suivi le plan. Alors, il y a des châteaux d'eau qui pourraient être réhabilités. Maintenant, ce ne sera pas de notre ressort, hein, ce sera du ressort du futur syndicat. Il y a des châteaux d'eau qui pourraient être supprimés, hein, qui n'ont plus lieu. À savoir que notre puits de captage, comme il n'est pas conforme aux nitrates et aux pesticides, il sera rebouché, il sera abandonné, notre puits. D'accord. Nous, l'eau viendra de Provins de toute façon. Et on sera raccordé. D'ailleurs, je peux même vous dire que la petite maisonnette qui est en bas n'existera plus, puisqu'on va se raccorder. On a trouvé un autre moyen, justement, au lieu de raccorder. Hein, on avait encore 60 mètres de réseau qui est en amiante ciment, qui est très cassante, et on a dû intervenir beaucoup l'hiver dernier, où ça n'arrêtait pas de casser à tous les coups. C'est de la petite cabane qui remonte jusqu'à la route. Et du coup, notre raccord va revenir par le chemin, puisque notre tuyau, en fin de compte, traverse la route, la RD49, qui remonte jusqu'à Savin, traverse la route et suit du côté droit. Donc nous, on va revenir, il va y avoir une station de pompage qui va être faite à côté du château d'eau de Longueville, et ça va redescendre par les chemins de ce côté-là pour alimenter notre château d'eau, tout simplement.